Politique, le protocole, rien que le protocole. La cérémonie d'investiture de Jacques Chirac, tout à l'heure à l'Élysée, a été sobre et brève. Proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel et courte allocution du chef de l'État. Véronique Saint-Olive, Didier Rancœur. Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir rejoindre votre emplacement indiqué au sol. Il s'agissait de faire sobre, le résultat a dépassé les espérances. Cet après-midi, dans la grande salle des fêtes de l'Élysée, on se serait presque cru au musée Grévin. D'un côté, bien aligné, une petite soixantaine d'invités représentant les corps constitués. De l'autre, tous les ministres au garde-à-vous. Pour se succéder à lui-même et comme pour marquer que la situation est difficile, Jacques Chirac a voulu le protocole, tout le protocole, mais rien que le protocole. Vous avez recueilli le 5 mai 2002 25 537 956 voix. Solennel, le nouveau président de la République a ensuite réitéré la promesse du candidat, rétablir l'autorité de l'État. C'est une exigence majeure de ce quinquennat. Le rétablissement de la sécurité des Français en dépend. L'action est lancée, je m'y attacherai personnellement. Et les formalités se suivent. Présentation du collier de grand maître de la Légion d'honneur, félicitations conjugales, passage en revue des troupes dans les jardins. Au loin, 21 coups de canon sont tirés des Invalides. Ils confirment que Jacques Chirac a bien succédé à Jacques Chirac.